Bonjour, je vous remercie. On a effectivement des bureaux dans 8 pays, avec le gros des troupes à Londres. Et pour ma part, je dirige le bureau d'Avignon. Alors, je vais vous présenter les résultats, un extrait en fait de résultats d'une étude consommateur qu'on a réalisée pour Intermed et Intervin. Alors rapidement, Intervin Sud-Est nous a confié la mission de répondre à quatre questions. Hein. D'abord, mesurer la notoriété et la pénétration à l'achat des vins d'IGP Méditerranée. Hein. Concrètement, combien de Français, de consommateurs de vin connaissent ces vins? Deuxièmement, mesurer en fait l'image, le positionnement, qu'est-ce que les consommateurs français associent au vin d'IGP Méditerranée. Ensuite, essayer d'en tirer des conclusions utiles, en tout cas des pistes de réflexion pour l'IGP, hein, sur quoi elle peut capitaliser aujourd'hui, quelles sont les pistes de développement, les points à améliorer éventuellement. Et enfin, un petit exercice de ciblage qui consistait à identifier les acheteurs potentiels des vins d'IGP Méditerranée, on leur a juste demandé, hein, et en établir le profil. Alors, rapidement, donc on a interrogé un peu plus de 1 000 consommateurs de vins en France qui sont représentatifs donc en mai 2019. Donc c'est une étude assez récente. Hein. Cette enquête est représentative des 39 millions d'adultes français qui consomment du vin en France. Il y a encore les trois quarts de la population, un peu plus, qui consomment du vin. Moins fréquemment qu'avant, mais ça continue à consommer. Alors, la première chose qu'on regarde, hein, c'est le niveau de notoriété assistée. On présente aux consommateurs, enfin aux répondants, une liste de vins. Il y en avait en l'espèce 34 ou 35, je ne me souviens plus, des appellations et des IGP. Alors, la première chose, 31% des consommateurs de vins en France ont entendu parler, connaissent un minimum, en tout cas de nom, ce qu'on appelle les vins de Méditerranée, hein, tout court, comme ça. Alors, c'est un taux qui est relativement faible, un consommateur sur trois, hein, ça se situe tout en bas de la pile. Mais en fait, c'est un taux qui est parfaitement en ligne avec les autres IGP. Donc, on avait posé d'autres IGP, hein, notamment Côte d'Agascogne, Vin du Var, Vin du Vaucluse et l'IGP DOC. Alors, il y a l'IGP DOC qui a 61% de notoriété, mais c'est un mastodonte, hein, c'est énorme. Ça fait longtemps qu'ils sont là, ils ont tout un historique derrière eux. Il y a peut-être aussi un peu de confusion avec le mot Languedoc, c'est pas exclu. Donc, les vins de Méditerranée sont pas mieux et pas moins connus que la plupart des autres IGP. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi est-ce qu'ils font des volumes, pourquoi c'est les IGP, même si elles font des volumes, sont moins connues que les AOP, on pourra en discuter. Alors, ce qu'on fait ensuite, être connu, c'est bien, être acheté, c'est mieux. Ce qu'on fait, c'est au sein de ceux qui disent, oui, j'ai entendu parler des vins de Méditerranée, je connais, au moins de nom, on leur demande tout bêtement, est-ce que vous en avez acheté au cours des 6 derniers mois? Et là, l'IGP Méditerranée se comporte beaucoup mieux, hein, elle est dans la première moitié de tableau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 18% des consommateurs français qui connaissent l'IGP Méditerranée ont déclaré également l'achat. Ça veut dire que quand vous avez 10 personnes qui vous connaissent, il y en a un peu moins de 2, 1,8 en moyenne, qui déclare l'achat. Vous convertissez votre notoriété en acte d'achat. C'est une mesure d'efficacité commerciale. Et là, pour le coup, l'IGP Méditerranée se comporte exactement comme le Pays d'Oc. Hein. On le voit là, qui est à peu près au même niveau. On a enlevé les arrondis, 18%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IGP Méditerranée est relativement peu connue, comme les autres IGP. Par contre, elle a un bon taux d'efficacité commerciale. Une fois qu'elle l'est, elle tente à être aussi bien acheté que la moyenne des autres vins d'appellation ou d'IGP en France. Et au final, quand on mesure, donc on prend à peu près un consommateur sur trois qui a entendu parler de l'IGP Méditerranée, là-dessus, un sur un cinquième en déclare l'achat, ça, on aboutit à un taux de notoriété, un taux de pénétration, pardon, de 6% pour les vins de Méditerranée. Ça veut dire quoi? Qu'on estime, on mesure que 6% des 39 millions de consommateurs de vin ont acheté au moins un vin de Méditerranée au cours des 6 derniers mois. Ça fait un peu moins de 2,4 millions d'individus, d'acheteurs. On sait que ce taux est très sous-estimé, c'est à dire de consommateurs. On le sait, pourquoi? Notamment parce qu'on est sur un marché où il y a beaucoup de bibes, hein, on l'a vu avant, pour les vins de Méditerranée, sur le marché français, et les dénominations d'IGP sont assez peu mises en avant, notamment sur les bibes, mais aussi sur les bouteilles d'ailleurs. Hein. Donc il y a un problème sans doute de visibilité là, qui fait que c'est moins
il n'y a que 6% des consommateurs qui ont conscience d'en avoir acheté. C'est sans doute beaucoup plus, on a plus d'acheteurs réels. Alors, la deuxième chose qu'on a regardée, c'est comment est-ce que les consommateurs perçoivent les vins de Méditerranée. D'accord ? Qu'est-ce qu'ils y associent ? Alors là, vous avez un résumé, hein, il y a un rapport beaucoup plus complet, mais là, vous avez un résumé. L'image spontanée, c'est-à-dire qu'on leur a juste demandé, on a remis les questions hein, systématiquement. Lorsque vous pensez à ces vins de Méditerranée, quels sont les premiers mots, sentiments ou pensées qui vous viennent à l'esprit ? Alors en fait, donc là, on a donné une petite représentation graphique pour vous donner une idée. Il y a trois choses qui viennent à l'esprit, hein, spontanément. D'abord, on a 44% des consommateurs qui mentionnent quelque chose qui a trait avec le sensoriel, avec l'organoleptique, avec le goût de vos vins. C'est notamment frais, fruité, léger. Ou le goût. Un vin dont j'aime le goût. C'était essentiellement positif. Un. Deux, des références estivales. Essentiellement, le soleil. On ne réinvente pas la poudre. Méditerranée, le soleil, ça vient fort. Et trois, la troisième chose qui vient, à peu près un quart des consommateurs le cite de façon spontanée, c'est le rosé. Alors, quelques réflexions là-dessus. Clairement, vous êtes associé, les vins de Méditerranée sont associés à un univers estival. Plutôt sur la convivialité, parfois il y a le mot apéritif qui vient. Mais surtout, vous êtes également... donc le soleil, c'est bien, ça va évoquer les vacances, la convivialité, l'apéritif. Mais ça peut poser un problème, être associé à la chaleur. On va vers un réchauffement climatique, hein, de façon inéluctable, il fait très chaud. Et quand il fait très chaud, on n'a pas envie d'avoir un chocolat chaud, quoi, hein, quelque chose de chaud. On a envie d'avoir quelque chose de frais, de léger, et vous y êtes associé. L'IGP Méditerranée est également associé à un style de vin sur la fraîcheur, sur le fruité. Donc ça, c'est bon. Et vous êtes également, évidemment, bon, ça, c'est pas une surprise, vu les ventes, vos ventes, associées, évidemment, à des vins rosés. Alors, on va voir derrière... C'est bien, mais il y a des pistes de réflexion. La question ce qui se pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas pousser aussi un peu les rouges, les blancs ? C'est une question, hein, une piste de réflexion. Alors ensuite, on voulait voir à quelle provenance, à quelles origines géographiques les consommateurs français associent l'IGP Méditerranée. Alors la bonne nouvelle, c'est que, il y a essentiellement des bonnes nouvelles, hein, 62% des consommateurs vous associe à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est la première chose qui vient à l'esprit. Et ensuite viennent des choses relativement logiques et cohérentes. Hein. La Corse, bon, le Roussillon et le Languedoc, on va pas leur, ils sont près de la Méditerranée. Et au total, 83% des consommateurs, ils pouvaient en citer plusieurs, hein, vous associent les vins de Méditerranée à une origine française. Cela étant dit, 43% des consommateurs vont également associer, en plus de PACA, Corse ou Languedoc, Roussillon, vont également associer l'IGP à un pays étranger. Au premier rang desquels, évidemment, on va trouver l'Italie, 29%, et l'Espagne, 26%. Donc aujourd'hui, l'IGP Méditerranée est plutôt associé, majoritairement associé à l'origine, une origine France, et généralement la bonne réponse, hein, PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais il y a quand même des associations étrangères qui arrivent derrière, qui sont à prendre en compte. Pardon. Oh, pardon. Alors dans nos enquêtes, on pose toujours ça. Hein. On est resté sur l'ancien modèle parce qu'on s'est aperçu qu'on avait des répondants qui ne savaient pas où ils habitaient dans certaines régions. Alors, une troisième chose qu'on mesure, et là c'est de la perception consommateur. On leur a demandé, donc là on a mis un petit graphique qui résume, hein, il y a tous les chiffres dans le rapport, à quel prix est-ce qu'ils s'attendraient, on ne leur a pas demandé combien ils seraient prêts à payer, à quel prix ils s'attendraient à voir un vin de Méditerranée, un vin du Languedoc, un vin de Provence, un vin du Var, un vin de Pays d'Oc, un vin du Vaucluse, un Côte-du-Rhône ou un vin espagnol en magasin. Donc on situe clairement en magasin. Alors ça, ce sont les gammes les plus associées pour une bouteille de vin, pas un bag-in-box, d'accord ? Alors bon, les consommateurs... Le pic, hein, les gammes auxquelles vous êtes les plus associés, c'est entre 4 et 7,49 la bouteille. Alors, je sais, les prix sont inférieurs. Cela étant dit, il faut bien voir qu'on demande pour une bouteille, petit 1, pas pour du bib. Petit 2, les consommateurs sont incapables de faire la mécanique promotionnelle dans leur tête. Hein. Ils ne vont pas reconstituer, hier j'ai acheté à moins 20%, il y a 6 mois à moins 50, et il y a 4 mois j'avais une pour 2. D'accord ? Donc c'est la deuxième chose.
La troisième chose qui est intéressante dans ce genre de mesure, c'est en fait de voir où est-ce que vous vous positionnez. La bonne nouvelle, c'est que vous vous positionnez aussi bien aux yeux des consommateurs que les vins de Provence, que le vin de Pays d'Oc, que le Languedoc ou que les vins du Var. Alors, il y a juste les Côtes-du-Rhône qui, eux, sont perçus comme pouvant aller plus haut dans la gamme, d'accord, et les vins espagnols qui sont les plus associés, notamment aux entrées de gamme, 2 à 3,99 et un peu à 4,99. Donc, clairement, les vins espagnols, et 26% des consommateurs vous associent à l'Espagne, les vins espagnols sont beaucoup plus que les autres associés aux entrées de gamme. Et en termes d'image, on a également mesuré l'image des vins d'Espagne. Ce sont les plus associés à des vins industriels de masse. Donc, clairement, à de l'entrée de gamme et une image assez déplorable. Donc, vous êtes aussi bien valorisé que ces autres appellations, ou IGP. Alors, la troisième chose, quatrième qu'on a regardé, il y en a cinq, là on est sur la quatrième, c'est la visibilité sur le point de vente. On a mesuré la notoriété, 31% des consommateurs français disent qu'ils connaissent vos vins. On leur a également demandé, donc toute une série de questions hein, qu'on résume ici, si on vous trouve facilement en hypermarché, seulement un consommateur sur trois dit qu'on vous trouve facilement en hyper ou en supermarché. C'est 48%, 1 sur 2, pour la moyenne concurrentielle, la moyenne du marché, quand on regarde, là on a juste mis la moyenne sur les 7 concurrents qu'on avait dans l'enquête. Donc clairement moins visible que les autres. Par contre, uniquement 26% disent qu'on vous trouve souvent en bag-in-box. Ça, c'est intéressant. L'IGP Méditerranée n'est pas plus associé au BIB, au bag-in-box, que les autres vins qu'on a mesurés, notamment l'IGP DOC, Côte-du-Rhône, Provence, les vins espagnols, les vins du Vaucluse et les vins du Var. Sachant qu'en plus, dans nos enquêtes, on mesure de temps à autre l'image du bag-in-box auprès des consommateurs français, et l'image du bag-in-box, ça quand même pose des problèmes, quand même, d'accord, y compris auprès de ceux qui en achètent, d'ailleurs. Et il y a une image, un peu plus d'un consommateur sur 10 dit qu'on vous trouve souvent à la carte des restaurants. Là, je pense qu'il y a un principe de réalité, quoi. On voit beaucoup moins souvent une rubrique vin de Méditerranée ou un vin de Méditerranée qu'un IGP DOC ou une AOP de Bordeaux ou de Côte-du-Rhône, par exemple, sur la carte. Par contre, on vous perçoit comme étant plus souvent proposé en pichet, en restauration. Donc, en restauration, on a l'impression, alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est la réalité, mais il y a deux fois plus d'individus qui nous disent qu'on vous trouve en pichet qu'on ne vous trouve à la carte des vins. Donc ça, c'est également quelque chose dont il faut tenir compte. Alors, bon, évidemment, ça c'est logique, les trois AOC mesurés, Provence, Côte-du-Rhône, Languedoc et l'IGP DOC sont perçus comme étant les plus visibles hein, en magasin, et l'IGP de Méditerranée obtient peu ou prou les mêmes scores que les deux autres IGP, que sont les vins du Vaucluse et les vins du Var. Et enfin, en termes d'image, on a posé également, on voulait savoir de façon assistée, on leur pose des items d'image et on leur demande à quel vin est-ce qu'ils associent chacun de ces items. Alors il y a toute une série d'items qu'on a mis là, auxquels vous êtes autant associés que la moyenne du marché, que les vins concurrents qu'on a mesurés. Et c'est notamment une grande variété de vins, ça c'est intéressant. Autant que je crois que sur la couleur, on avait 95% des mentions spontanées quand elles venaient sur la couleur qui disaient vous êtes rosé, quasiment pas en rouge. Par contre, on associe cette IGP quand même à une assez grande variété de couleurs, de goûts, etc. Ce qui est logique, hein, puisque vous êtes à un niveau de territoire, ce n'est pas une micro-appellation. Vous êtes associé, un tiers vous associez un goût vraiment agréable. C'est 37% pour la moyenne concurrentielle, mais ce n'est pas significatif, c'est pas statistiquement différent. Et il y a des vins pour l'apéritif. Alors ça, être associé à un goût vraiment agréable, ça a l'air bête et méchant. Mais c'est très important. C'est le premier, parfois le second, critère de choix des consommateurs. Ils achètent un vin pour le boire. Donc on a envie de s'assurer qu'on va en aimer le goût. C'est normal. Et tous les vins ne sont pas associés à un goût vraiment agréable. On peut être associé à d'autres choses. Donc ça, c'est important. Et à des vins pour l'apéritif. Donc clairement, vous êtes sur la diversité, sur le vin pour l'apéritif, avec, pour 28% des consommateurs, un excellent rapport qualité-prix qui se situe aussi dans la moyenne du marché. Et ensuite, il y a toute une série, en fait, il y a une deuxième série d'associations dans l'imaginaire des consommateurs, dans leur esprit, à laquelle vous êtes plutôt moins associé que la moyenne concurrentielle, que la moyenne du marché. C'est tout ce qui a trait, alors notamment le repas,
Hein, 34% vous associent au contexte de repas, parfait pour accompagner des vins pour accompagner un repas. C'est 43% pour la moyenne du marché, notamment Côte-du-Rhône, Provence, le Languedoc sont plus associés que vous au moment de repas. C'est également une piste hein, de réflexion, surtout bon, sachant que 60% des volumes à peu près en France sont consommés pendant un repas, mine de rien, et que c'est aussi plus associé spontanément au vin rouge, éventuellement au blanc pour les produits de la mer. Des vins de terroir, des vins que je suis fier de servir à mes amis et des vins avec lesquels je ne suis jamais déçu, ce que j'appelle la fiabilité. Donc il y a une série, il y a des choses sur lesquelles l'IGP peut se reposer, hein, des vins pour l'apéritif, bon rapport qualité-prix, une belle diversité et des choses qui sont évidemment à travailler. Alors pour finir, on a également demandé aux consommateurs juste d'exprimer une intention d'achat à l'égard des vins de Méditerranée, d'une série de concurrents. Donc là, ce qu'on restitue, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, et on leur a demandé cette intention d'achat en grande distribution, en caviste ou en CHR, bar, café ou restaurant. Quand on combine ces trois circuits, 60% des consommateurs de vins en France déclarent une intention d'achat positive. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, hein, tous. Il faut qu'il soit de bonne humeur ce jour-là, il faut qu'il y ait un IGP Méditerranée en rayon, il faut que ce soit le bon prix pour le bon contexte, etc. Il n'empêche qu'on n'identifie pas de problème particulier de rejet vis-à-vis des vins de Méditerranée. C'est plutôt une bonne nouvelle. Sur les vins de Méditerranée, il y a un score qui est un peu plus élevé que pour les autres vins, que pour la moyenne, c'est le taux d'indécision. De mémoire, il y a à peu près 22-23% des consommateurs qui répondent « je ne sais pas ». D'accord ? Donc il va falloir les convaincre. Mais ce n'est pas du rejet. Et ce taux d'intention d'achat positive se situe dans la moyenne, hein, presque systématiquement, dans les trois circuits, quasi systématiquement un peu au-dessus des deux autres IGP, là, vin du Var, vin du Vaucluse, un tout petit peu en dessous de vin de Pays d'Oc, mais grosso modo dans la moyenne. Alors quand on regarde ça, quand on essaye de faire un peu des extrapolations, on part de 39 millions de consommateurs de vin en France, 60% expriment une intention positive, ça fait 23 millions de acheteurs potentiels. Je le répète, tout le monde ne va pas acheter. Mais c'est au moins dans les intentions. Et parmi ces 23 millions d'acheteurs potentiels, le marché pertinent, il y en a à peu près 1 sur 10 qui déclarent déjà l'achat de vins de Méditerranée sur les 6 derniers mois. Ça veut dire qu'on a un peu plus de 2 millions d'individus qui vous ont acheté et qui disent « je vais vous racheter ». D'accord ? Les acheteurs fidèles. Et vous avez le reste qui ne vous ont pas acheté, hein, qui ne vous achètent pas, mais ils n'ont rien contre le fait de au moins vous essayer. Alors, quand on regarde qui sont ces consommateurs, vos acheteurs fidèles, hein, ils vous ont acheté, ils ont l'intention de le refaire. Alors, c'est une cible un peu particulière. Hein. Bon, c'est un peu plus féminin que la moyenne. En France, à peu près un consommateur sur deux est un homme, un consommateur sur deux une femme. Vous êtes un peu plus sur une cible un tantinet plus féminine. Surtout, vous êtes sur une cible plus aisée que la moyenne aujourd'hui. Hein, 48, près d'un acheteur fidèle sur deux appartient à la classe moyenne supérieure. Alors que c'est 27% dans la population. Alors, je pense que ça, c'est lié notamment au fait que vous êtes, ça c'est logique, complètement surreprésenté dans le Sud-Est. Hein. Près d'un de vos acheteurs fidèles sur trois vit dans le Sud-Est, contre une moyenne nationale de, j'arrive plus à le lire, 12%. D'accord ? Et il se trouve que le Sud-Est est une des régions les plus riches de France, avec la région parisienne, notamment. Ce qui fait que, du coup, vous avez une cible. Je pense que c'est de ça que ça vient, une cible plus aisée que la moyenne. Vous êtes sur des consommateurs très fréquents de vin. 1 sur 2, 54% consomment du vin plusieurs fois par semaine. C'est 1 sur 3 dans la population. Sur une population qui consomme beaucoup de rosé, à peu près un tiers des volumes qu'ils consomment sont des vins rosés. On estime que c'est à peu près un peu plus d'un quart sur la moyenne de la population. Et c'est une cible qui en recherche clairement de nouveautés, de diversité. 70% déclarent qu'ils aiment essayer des vins nouveaux de façon régulière. Juste un petit rappel, avant on a vu que les vins de Méditerranée étaient tout particulièrement associés à l'idée de diversité, de variété de vins, des couleurs, des goûts différents, etc. Alors, pour aller conquérir de nouveaux acheteurs, on est évidemment sur un profil beaucoup plus moyen, avec autant d'hommes que de femmes. On est sur un profil aussi de consommateurs plus occasionnels. 64% sont des occasionnels, c'est-à-dire qu'au plus, ils vont consommer du vin une à deux fois par semaine. C'est déjà beaucoup, hein, au moins ça fait quatre fois par mois, mine de rien.
mais ce qui pose des questions, notamment en termes de contexte de consommation, c'est-à-dire que notamment ça va être des consommateurs qui vont être beaucoup moins enclins à consommer du vin au quotidien, au repas, etc. Ils sont moins fréquents. Ils vont être moins portés à l'achat de bag-in-box également, hein, parce qu'ils n'ont pas besoin, ils ont moins besoin de volume, ou alors certainement pas du 5 litres, mais du 1,5, du 2,25, du 3 peut-être éventuellement, pour des contextes un peu particuliers, mais beaucoup moins que vos consommateurs, vos acheteurs actuels. Et enfin, alors 28%, on estime qu'à peu près 28% de ce qui se consomme sont des rosés, contre un tiers là, et 50%, 49% par an des vins rouges, et le solde évidemment des vins blancs. Donc on a des consommateurs plus occasionnels, sans doute moins de bib, on a des consommateurs qui consomment du rosé, mais un peu moins que vos acheteurs actuels. Ça pose la question de la diversité, de la mise en avant d'autres couleurs. Par contre, comme les acheteurs fidèles, ils sont clairement en recherche de diversité, de nouveauté. Hein, on est sur une cible. Près de 59% déclarent qu'ils cherchent à essayer des vins nouveaux de façon régulière. Et juste un petit point. Alors ça, on l'a fait dans chaque circuit. Hein, ce dont on s'aperçoit, ce qui est logique, c'est qu'en caviste et en CHR, ces acheteurs potentiels ont d'être plus jeunes, plus fréquents, et plus en recherche de diversité que les acheteurs potentiels en GD, hein, c'est normal, notamment chez les cavistes. On va chez le caviste pour trouver autre chose qu'en GD, quelque chose de nouveau, éventuellement. Et chez les cavistes, on est aussi sur des consommateurs plus aisés que la moyenne, clairement, et beaucoup plus concentrés sur la région parisienne. Voilà, donc on a résumé donc en synthèse hein, les quelques points qui nous semblaient intéressants de retenir de cette étude. Un, la notoriété, qui est relativement faible, comme pour les autres IGP, sauf l'IGP-DOC. Deux, pour ce qu'on voit dans cette étude, les vins de Méditerranée sont bien reçus par une majorité de consommateurs. Hein, 60% expriment des intentions positives, sachant qu'à peine 5-6% déclarent vous acheter, ça laisse du gras derrière. Ça veut dire que l'immense majorité de votre cible potentielle ne vous a pas encore acheté, donc il y a des gens à conquérir. Vous êtes aussi bien valorisé que la plupart de vos concurrents. Alors, en termes d'image, il y a trois choses qui ressortent hein, assez fort. Il y a plusieurs endroits, donc c'est assez clair. Aujourd'hui, l'IGP Méditerranée se positionne et perçu sur un positionnement que j'appellerais convivial, hein, sur un imaginaire estival, le soleil, les vacances et le contexte de l'apéritif, donc sur la convivialité. Deuxième chose, vous êtes associé assez spontanément et de façon relativement fréquente à des vins dont on aime le goût, plutôt des rosés, sur la fraîcheur, sur le fruit, ce qui est logique d'ailleurs, ce qui est cohérent avec le moment de l'apéritif, et également un rapport qualité-prix qui est en ligne avec la moyenne concurrentielle. Donc, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles c'est un socle qui existe aujourd'hui. Des choses qu'on identifie avec des pistes hein, de réflexion. Un, la question, est-ce qu'il faut accentuer l'origine française de l'IGP Méditerranée, sachant que 44% des consommateurs aujourd'hui vous associent aussi à une origine étrangère, notamment à l'Espagne et à l'Italie. Deux, communiquer éventuellement sur la capacité de vos vins à accompagner les repas pour aller vers d'autres contextes de consommation, notamment les bons repas entre amis, qui est sans doute le premier contexte de consommation auprès des consommateurs occasionnels. Pas le seul, mais ils le font souvent. Trois, développer une perception hein, de vins de très bonne qualité, des vins qu'on est fier de servir à ses amis, faire monter peut-être un peu en statut ces vins. Il y a des moyens hein, de faire ça, cibler les guides, cibler les prescripteurs, les cavistes, etc. Gagner des médailles, faire du bruit autour. Et enfin, il y a un axe qui se pose. Ça se pose. Aujourd'hui, vous faites beaucoup de rosé, c'est clair. La question qui se pose, c'est, en tout cas, il y a un axe différenciateur qui est là, un axe potentiel de différenciation pour votre IGP à terme, qui est de mettre en avant la variété de vos vins. Alors ça peut être les couleurs, ça peut être les styles de vin, ça peut être les bulles, hein, pourquoi pas. Il y en a d'ailleurs en IGP Méditerranée, avec des marques assez fortes d'ailleurs, au moins une, plusieurs même. C'est une attente forte du marché. On a une cible d'acheteurs potentiels qui est en recherche de diversité, qui est en recherche de nouveautés, notamment dans les circuits prescripteurs. Et l'IGP Méditerranée y est aujourd'hui relativement bien associé. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci Jean-Philippe Perrouti. On va peut-être rester sur la synthèse, hein, comme ça, pour les questions. Alors, qui veut ouvrir sur cette enquête de notoriété ? Vos questions ? Alors, moi, j'en ai une peut-être un peu d'observateur, hein, puis de consommateur aussi, pourquoi pas, et un petit peu de journaliste aussi. Quelque part, on entend beaucoup dire que c'est très festif, le vin rosé, aujourd'hui. Or, ce n'est pas forcément un mot qu'on a beaucoup entendu. On n'est pas loin de ça quand on parle de convivialité, quand on dit qu'on est fier d'en parler à nos amis ou de leur servir, quand on est dans la convivialité imaginaire estivale. Mais on n'est pas vraiment dans le festif, quoi, voilà, de dire ben, on peut faire, puisque bientôt on s'approche quand même d'un moment où on va célébrer l'anniversaire, hein, tout à l'heure. Voilà. C'est peut-être pour ça que je pose aussi cette question. Mais est-ce que ça ne peut pas aller un petit peu plus loin dans ce domaine-là ? Sur les vins rosés en général ? Oui, sur les vins rosés en général. Enfin, bon, notre ami de Champagne est parti, mais pour vous provoquer un petit peu, il y a aujourd'hui des gens qui disent oh, ben, un bon rosé, finalement, c'est aussi bien qu'un champagne. Voilà. Ouais, alors, sur le marché français, l'imaginaire du rosé reste quand même beaucoup sur, en gros, l'apéro. Et ça a beaucoup de mal. Alors, le territoire s'étend, ça peut aller sur les repas, un peu plus qu'avant, sans doute. Ça se désaisonnalise un peu, mais bon, c'est pas un mouvement non plus complètement délirant. On reste quand même, le rouge, par exemple, reste le vin pour accompagner le repas, de façon très majoritaire. Mais est-ce que ça peut aller plus loin ? Bien sûr que ça peut aller plus loin. Et les Français sont des gens qui sont relativement innovants et adoptent les innovations. Un exemple, on vient de le finir, sur les bulles, les progressions absolument délirantes du Prosecco. Et le Prosecco, c'est étranger, c'est des bulles, et les Français l'achètent. C'est pas courant, quand même. Et on s'est aperçu dans nos études que, par exemple, le Prosecco a un point de différenciation par rapport à d'autres bulles, que sont, et on en a parlé tout à l'heure, la créativité et l'innovation. C'est-à-dire qu'on a à peu près un quart des consommateurs d'effervescents en France qui associent le Prosecco à ces deux éléments. Et c'est un des seuls mousseux hors champagne, enfin, le seul vin effervescent hors champagne qui est capable d'avoir ce genre d'association. Donc oui, la créativité, l'innovation. Et le rosé, par contre, il y avait une très belle conférence qui est en ligne, c'est pas de moi, du CIVP, enfin de l'Observatoire des vins rosés, il y a quelques mois, où ils avaient invité un anthropologue français, mais qui travaille aux États-Unis, qui expliquait ça très bien, c'est en ligne, il y a la vidéo, elle est super, qui expliquait très bien que le rosé, ça marchait très fort auprès des millennials, des jeunes, hein, trentenaires, quadras américains, notamment parce que c'était le symbole. Alors lui, il est anthropologue, on s'est dit on va rien comprendre, mais c'était très clair. En fait, ce qu'il expliquait, c'est que c'était lié anthropologiquement à l'idée de jouvence, de modernité, de santé et de liberté. Et il se trouve que les millennials américains sont en plein là-dedans, c'est la génération moi, hein, éventuellement. Je fais ce que je veux, je casse les codes. Et le rosé est parfait pour ça. Ça vient, on peut casser les codes avec le rosé. On peut mettre des glaçons dedans, par exemple, si on a envie d'un truc un peu frais. Donc voilà, oui, ça peut aller sur la créativité, l'innovation, bien sûr. Oui, madame ? Je ne sais pas, peut-être à me corriger sur le chiffre, mais je crois qu'aujourd'hui, 60% des ventes de l'IGP Méditerranée sont faites en bag-in-box, au moins en grande distribution. Validée, mais je pense que je ne suis pas très loin de la réalité. Au vu de cette étude, est-ce que vous pensez que c'est la bonne voie, du coup, le BIB pour l'IGP ? Parce que vous aviez l'air de dire qu'au contraire, il fallait qu'elle en fasse peut-être un peu moins ou... Je ne répondrai pas à cette question, mais je vais juste la commenter. Pourquoi ? Est-ce que c'est la bonne voie ? Ça, d'abord, ce serait très arrogant de ma part. Non, mais par rapport à l'étude, vous aviez bien avoir une petite idée. Non, mais vous comprenez, je ne sais pas, je peux dire... C'est ça qu'il faut faire. D'abord, ce sera arrogant de ma part. Le BIB, c'est un animal intéressant. Qu'on mesure à peu près une fois par an la perception des Français vis-à-vis du BIB. Et on s'aperçoit qu'en fait, l'argument de la praticité, la facilité à transporter, liberté de consommation, tout le bazar, ça a bien pénétré les esprits. C'est bon, c'est fait. Par contre, il reste une barrière qu'on retrouve d'ailleurs, deux barrières, pardon, qu'on retrouve d'ailleurs en partie auprès des acheteurs de BIB, c'est-à-dire ceux qui achètent du BIB, même eux vont le dire, au moins pour un quart, un tiers d'entre eux. Il y a un problème d'émotion, ça enlève de la magie au vin, première barrière. Et deux, il y a une idée encore rampante qui reste de vin industriel, de vin de bas de gamme. Alors c'est à peu près, je ne sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais 20 à 30% des consommateurs français qui pensent ça. Sur la magie, mais ça enlève de la magie au vin, c'est la vraie première barrière qui revient très très fort. Et ça c'est lié notamment à un effet d'offre, enfin à mon sens. Si vous avez un rayon moche,
d'accord, ou des cartons qui ne sont pas super bien travaillés ou manquent d'esthétique, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, ben, ça ne participe pas à valoriser le bib. Mais à mon sens, il y a un marché un peu plus valorisant, il y a des petits marchés, alors de niche ou un peu plus gros, pour les bag-in-box, évidemment. Je vais vous donner trois exemples. On voit maintenant des bibs en grande distribution. Alors, en l'espèce, c'est de la marque de Gérard Bertrand qui me vient à l'esprit, qui se positionne à, de mémoire, je ne sais plus, 7 ou 8 euros le litre. Enfin, c'est un truc délirant. Alors, il n'en vend peut-être pas beaucoup, j'en sais rien, mais il y est. Les contenants reculent. On passe sur du 3 litres maintenant. Ça va se valoriser un peu plus. Et il y a deux sociétés qui sont intéressantes. Elles sont toutes petites à l'échelle du marché, mais la Sopardis, c'est Sopradis ou Sopardis, je ne sais plus. Sopardis, c'est ça, qui est Monsieur Lafarge, me semble-t-il, qui a ses bars à vin depuis, je sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la région de Bordeaux. Bar à vin et que des bibs. Alors il fait bon an, mal an, peut-être, je ne sais plus, un 5 ou 2 millions d'euros de chiffre, quelque chose de cet ordre-là, sans doute, mais il le fait depuis 15 ou 20 ans. Donc il y a une partie de la population qui est prête à aller là-dessus. Et cette chaîne de cavistes qui ouvre à tour de bras de nouveaux points de vente, Bibo Vino. Ils vont jusqu'à du... Enfin, il y a des bibs qui valent 30, 40, 50 euros. Alors à nouveau, ça ne va pas prendre le marché d'assaut, ça ne va pas remplacer demain la grande distribution, mais ça prouve bien qu'il y a des niches, des créneaux pour des bibs mieux valorisés. Voilà. D'accord. Alors, attendez, je vous propose de prendre le micro, comme ça tout le monde bénéficie de votre propos. Je disais que Bibo Vino, qui avait pendant très longtemps disait que son 5 litres était le format le plus vendu, après le 3 litres, qui est toujours maintenant le plus vendu, et ils viennent de lancer toute une gamme de 2,25 et 1,5 litres pour les portes de réfrigérateur des citadins CSP+. C'est ça, la praticité, la facilité est bien passée, et des choses plus ergonomiques, ça peut pas nuire. Et enfin, il y a un dernier marché pour le Bib, que je ne le connais pas très bien, pour être honnête. Mais on a un peu regardé ça, et on était surpris parfois. C'est évidemment la CHR. Alors, ce n'est pas le plus valorisant pour les vins de Méditerranée, parce que c'est planqué dans l'arrière-boutique, mais les bibs en CHR, ça peut générer des business assez importants. Nous, dans notre région, on s'est aperçu, parce qu'on a fait une étude là-dessus, on s'est aperçu d'un coup qu'il y avait des types chez qui on allait au resto, vous savez, c'est dans les zones industrielles, là où les gens vont déjeuner à midi, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, les gens travaillent, quoi, et on mange à midi. Un resto où on allait quasiment tous les midis ou souvent. En fait, on ne savait pas, il sert à la pression, il a un machin, un keg, là. Il a des bag-in-box de 10 ou 15 litres dans l'arrière-boutique, et il tire ça au bar. Ça, c'est des choses qui doivent tourner du volume, et ce n'est pas dit que ça ne tourne pas aussi un peu du chiffre d'affaires régulier, et peut-être même des marges. Donc il y a plusieurs créneaux comme ça, plusieurs segments sur le Bib qui peuvent être intéressants. Voilà, et sans vouloir faire de publicité, Bibo Vino, il y en a un qui a ouvert récemment rue de la République à Marseille. Donc c'est très en effet branché comme approche. Monsieur. Allô, vous... Ah, vous on ne veut pas que vous vous exprimiez. Voilà un vrai micro. Vous parliez tout à l'heure des millennials américains. Est-ce que dans votre étude, vous avez pu segmenter un petit peu les millennials français ou identifier si nous aussi, ils avaient le même mode de réponse, notamment à l'IGP Méditerranée? Alors, on n'a pas gratté jusqu'à ce niveau-là. Par contre, il y a une chose que j'ai pas... On n'est pas allé jusqu'à ce niveau. On serait ravis de faire une extension. Mais on peut regarder, d'ailleurs, rapidement. Hein, on le communiquera à l'IGP. Par contre, il y a une chose que j'ai pas dit, c'est en termes d'âge. Quand on regarde vos acheteurs actuels, vos acheteurs potentiels et le reste... On constate pas de différence. C'est-à-dire que le profil, c'est à peu près le même. Concrètement, les vins de Méditerranée sont transgénérationnels. Ils touchent à peu près toutes les tranches d'âge de la population en France. Vous n'êtes pas spécialisé sur le millénial ou sur la personne âgée. Vous touchez à peu près tout le monde. Ce qui, à mon sens, est également une bonne nouvelle, hein, parce que être positionné sur une tranche d'âge, ça peut être un peu risqué. Oui ? Ah, Christian Burle. C'est tout à l'heure votre intervention. Hein, mais... Non, vous avez le droit, vous avez le droit. Non, juste tout à l'heure, vous avez dit que les IGP Méditerranée étaient considérés par des consommateurs comme des vins étrangers, puisque vous avez dit qu'il y avait une partie... Ça m'interpelle quand même, parce que le vin de France, c'est quand même un vin particulièrement bon. Hein, en tout cas, on est sur ce côté-là et reconnu dans le monde entier. C'est assez gênant pour moi que le vin de Méditerranée, pour pas mal de personnes, vous avez dit 40%, non, c'est ça ? On a 44% qui associent... Alors attention,
83% associent déjà à la France, mais ils peuvent choisir plusieurs choses. Mais en général, ils sélectionnent en moyenne trois provenances. Le plus souvent, PACA, ensuite suivi par Corse ou Languedoc ou Roussillon. Et ensuite, 44% vont aller sélectionner effectivement Italie, Espagne. Oui, c'est... Mais en même temps, c'est relativement logique, si vous voulez. C'est Méditerranée. Moi, j'étais surpris. Je pensais qu'il y en aurait plus qui l'associeraient à peut-être l'Afrique du Nord, la Grèce, même l'Espagne. Mais bon, ou l'Italie. Mais ça reste, oui, pas loin d'un sur deux, quoi. Vous avez une autre question ici ? Oui. Bonjour. Juste une question, du coup, pour rebondir un petit peu sur les leviers d'image que vous avez. Que vous avez évoqué, et le premier qui me paraît essentiel sur l'origine française de l'IGP. Ça, souvent, on le voit, c'est un petit peu lié à des directives ou à des programmes régionaux aussi mis en place par la région. Et moi, je voulais savoir un petit peu ce qui avait été mis en place par les représentants justement de la région PACA pour garantir un petit peu cette image. Voilà. S'il y avait quelque chose qui a été mis en place ou pas. Alors, ce n'est pas une question pour vous, désolé, mais... S'il y a des représentants, je ne sais pas. Non, non, bien sûr, mais sur l'image, c'est quand même... L'image en particulier, que ce n'est plus PACA, ça s'appelle Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, vous voyez que le mot PACA, qui était pour moi quelque chose d'assez laid, on a choisi Sud, on aurait pu choisir autre chose, mais ça a été fait comme ça. Donc, c'est région Sud. Mettez-vous maintenant, on parle de région Sud. Alors, on n'a pas dit Sud de France, pas encore, peut-être, ça viendra. Mais aujourd'hui, c'est Sud. Et voilà, alors Sud Méditerranée, pourquoi pas. Ce serait peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, la promotion de l'IGP, elle se fait par rapport aux vecteurs de promotion de la viticulture. Et les vecteurs de promotion de la viticulture, c'est d'abord les AOC, vous le savez bien. Et il est évident que l'AOC Provence en particulier et la connotation sur le rosé apporte, et vous le voyez bien dans les volumes aussi, je regardais les derniers volumes en rosé de l'IGP Méditerranée, c'est énorme. Voilà. Donc, mais c'est sûr que la promotion doit être un souci essentiel par rapport à cela. Mais, enfin, si je peux juste compléter, bon, en France, c'est ce que c'est. Mais par contre, ça pose la question, on n'a pas les chiffres, hein, mais ça pose la question de comment me promouvoir, si un jour ça doit arriver, ou comment me pousser les vins de Méditerranée à l'export. Parce que là, la question va être encore plus prégnante. Quoi, hein, D'autres questions sur ce point ? Puisqu'on est chez un restaurateur étoilé ici, est-ce que quand vous dites il faut que le rosé accompagne les repas, est-ce qu'on le trouve aujourd'hui dans les grandes tables, dans les cartes des vins, au niveau que vous aimeriez qu'on le trouve ? Les vins rosés, j'ai pas de chiffres sur les cartes des vins en France, mais maintenant à peu près toutes les cartes des restaurants, en tout cas, doivent avoir du rosé. Alors l'été, peut-être pas l'hiver. Par contre, il y a des... Alors, c'est juste anecdotique, mais je me rends assez souvent à Bordeaux, et comme je suis une créature d'habitude, je vais toujours au même resto le soir quand j'arrive. C'est à Bordeaux, hein, dans une brasserie, qui n'est pas étoilée, mais bon, elle est très bonne. Et pendant longtemps, ils ont eu à la carte que des vins de Bordeaux, que ça, sauf le rosé. Il n'y avait même pas de rosé de Bordeaux, il y avait un rosé de Provence. Voilà, un ou deux, c'est tout. Donc en fait, je soupçonne très fort que en restauration, peut-être pas la restauration étoilée, qui vont avoir plus de références, de choses comme ça. On va avoir quasiment toujours ou souvent du rosé, mais je soupçonne très fort que très souvent, ça va être du Provence, quoi. Rosé de Provence. Ou le rosé au pichet, identifié quand le restaurateur veut bien l'identifier. Donc la réponse est un peu mitigée. Parfait. D'autres questions ? On va en rester peut-être là alors, et puis remercier M. Perrotti de son intervention. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.